Bonsoir. Vous me rencontrez aujourd'hui, assis sur cette magnifique banquette, support confortable, dans notre petit salon de l'association, où nous écoutons des fois un peu de musique, ou un peu plus loin, où nous prenons du café, un lieu de rencontre et de détente. Aujourd'hui, je viens ici pour vous présenter un travail très intéressant et qui va beaucoup vous intéresser. C'est une vidéo sur le travail d'un dossier de fauteuil Voltaire capitonné. Le siège, lui, a été fait précédemment, l'année dernière, par une élève du lycée professionnel de Corazonnay, qui était venu pour découvrir la garniture traditionnelle. Nous l'avons continué. Il est terminé en blanc, il n'est pas recouvert, il le sera plus tard, mais nous allons vous présenter cet ouvrage et comment le faire. Vous aurez une heure pour le découvrir. La vidéo dure une heure. Peut-être que vous arriverez avec la vidéo, et puis si vous avez des problèmes. Vous regardez l'adresse, les horaires, et vous arrivez et on vous aide. Et je compte sur vous. Et si vous y arrivez, vous nous le montrez quand même. Nous sommes intéressés. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous voici installés pour vous montrer. Donc nous avons fait ici une ligne de capitant et le téléphone qui sonne. Oui, allô? Voilà, alors maintenant tous les lacets sont posés pour les capitons et pour finir le dossier. Donc les lassages sont différents parce qu'ici, comme il y a le capiton, le lacet il passe devant, derrière pour pouvoir mettre le bouton. Et ici, les lacets se croisent parce que tout sera entièrement ancré. Il n'y a pas de capiton là. Et là, on va mettre deux lacets pour préparer les boutons. Pour une bonne raison, c'est que ici, nous avons le tissu qui est posé sur le tissu déjà avant de la garniture. Donc, on ne pourra pas mettre de boutons après. Donc, les boutons sont obligatoirement avec la toile forte et c'est mis de suite. Alors là, c'est pareil. Sans prendre le velours, puisque derrière, c'est un velours. Voilà, j'ai pas pris le tissu. Et là, on met les deux lacets, et pour ne pas faire de blagues, on vient faire juste une boucle. Voilà, on prend deux lacets, qu'on vient glisser dans le chat de l'aiguille, et on pose . Alors comme la toile forte et le velours, le tissu, sont l'un sur l'autre, il faut juste arriver à décoller la toile forte pour ne pas prendre le tissu. Voilà, on passe juste la ficelle, ce qui fait que quand on va attacher ici,
le bouton va venir s'appuyer directement ici, sans qu'il y ait de crainte. Voilà comment on fait du capitant au départ. Voilà, et maintenant le capitant est donc terminé. Tous les... Et sa place en son prix. Voilà, tout est fait. Il ne reste plus qu'à mettre le crin pour faire le capitant. Voilà. Le capitant est préparé, les lacets sont posés et nous allons maintenant procéder à la mise en place du crin avec des poignées de crin. Que l'on va ouvrir après l'avoir mis sous le lacet. Alors on l'ouvre très très bien, il faut que la régularité. Alors ici c'est du crin animal de cheval. Voilà, premier. Chaque poignée est travaillée indépendamment. C'est beaucoup plus facile de travailler poignée par poignée. Et quand la poignée est bien travaillée, on relie les deux poignées. Ce qui devient extrêmement facile. Et nous arrivons à une homogénéité parfaite entre les deux poignées et après la troisième poignée qui va arriver ici. Et voilà la troisième poignée pour terminer la base. Alors on met suffisamment de crin. C'est un Voltaire. C'est le fauteuil par excellence pour les personnes âgées. Le dos cale bien les reins, donc on met suffisamment de crin pour donner une forme. Et quand on s'assoit, le siège doit être ferme pour ne pas s'enfoncer, puisque on doit caler les reins. Si on s'enfonce trop fort, on n'est plus assis par les reins. Voilà comment ça commence la mise en crin. Le dossier a continué à avancer un petit peu. Et là, je vous le montre avec l'utilisation de la préparation du capitant. Donc là, je suis entre deux places de capitant.
Donc c'est pareil, on ouvre toujours avec beaucoup de soin le crème que l'on mélange avec le crème précédent et on monte de suite les ficelles pour le capiton. Et vous voyez, je tire et toujours le travail des doigts. De façon à ce que bien le crin soit bien ouvert, qu'il n'y ait pas des endroits où avec les mains on sente des épaisseurs. Donc c'est les mains qui travaillent toujours, vous voyez, toujours ensemble. Vous voyez le mouvement. Et on va le mélanger. Repose sur le toucher. C'est un toucher il ne faut jamais laisser des poignées de crème très compactes bien ouvertes et on va en profondeur et les deux mains vont toujours en profondeur. Vous voyez, là, je travaille toujours individuellement la poignée jusqu'à ce que je sens et là on mélange. Il faut que tout soit bien régulé. Il faut qu'on sente les mêmes quantités. Parce que sinon on risque d'avoir des capitons irréguliers, certains maigres, certains gros. Et tout est dans le toucher. Et il faut bien que le crin soit bien ouvert pour qu'on le sente.
Voilà une rangée de plus. Voilà, et on va terminer la mise en crin. C'est la dernière rangée. Tout le reste a été fait. C'est le même travail. On termine l'ouvrage. Et je vous laisse tranquillement regarder les derniers gestes de la mise en crin d'un dossier Voltaire capitonné. Et les mains sont toujours très 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 proches, touchantes, de façon à bien ouvrir le crin. Et dernière poignée. Thank you.
Et voilà la mise en craie du dossier Voltaire capitonné. Est terminé. Et maintenant, il va falloir calculer et dessiner la toile blanche pour mettre en place le capitaine. La toile blanche est maintenant dessinée, donc nous allons mettre en place les capitons. Nous allons démarrer sur les lignes 4, c'est-à-dire ici, pour se simplifier la vie. Donc je suis dans le fil à l'intérieur. Voilà pour un côté, on enfile les deux ficelles qui est une, il y a deux ficelles, l'une tendra la toile blanche et l'autre posera plus tard le bouton sur le tissu qui fera le capitaine définitif. Voilà, pour ne pas avoir à le remettre, on l'attache. On sépare bien les fils. Voilà, je suis sur la même ligne. Faut traverser quand même. Voilà, toujours pareil, on sépare bien les ficelles et on fait une boucle. C'est celle-ci. Voilà, je vais glisser depuis le fond pour séparer les deux ficelles. Vérifie, ça fonctionne. Toujours vérifier qu'on est sur les bonnes ficelles. Et le dernier point qui est ici, c'est la bonne
Alors j'ai démarré à cette ligne pour me simplifier la vie. C'est que maintenant j'ai mes trois qui sont ici. On peut faire ce qu'on veut, mais chacun est libre. Mais plus c'est simple, et plus c'est facile. Bon, pour vous faire plaisir, je vais faire les deux autres. Puis après, le reste, c'est toujours pareil. Et on va mettre le dernier. Alors je vous montre le dernier, les autres je ne vous le montrerai pas parce que c'est la même chose. Voilà, je vous ai fait les deux rares d'en bas. Et il nous reste à faire les bas d'ici pour terminer le capitan. Et après, on serrera pour faire les capitans. Vous me retrouvez un peu plus tard. Voilà, maintenant, toutes les ficelles pour tracer le capitan, sont mises en place. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place tout en serrant la toile blanche et façonner le capitan. Et nous voilà au capitan. Alors on va changer les ficelles. Ça, c'est celles qui seront pour le tissu. Et là, nous allons serrer le capitan avec la toile blanche. Alors, pour le tacher, nous faisons un nœud sur le bout de la ficelle. Bien serré. Et là, nous allons faire un nœud coulissant qui, en fait, nous allons faire... Vous voyez, le nœud, il est là. Et nous allons, ce nœud, le passer pour faire un nouveau nœud sur les ficelles. Et alors, vous voyez, on tient les nœuds pour le faire glisser, nœud contre nœud. Vous voyez, ça bloque. Et là, ici, sur la boucle, nous passons la ficelle à l'intérieur.
Voilà, en réalité, nous avons notre ficelle qui est là. Et là, nous serrons. Et là, vous avez vu, on n'avait pas mis de crin. Et on serre fort. Alors, pour ne pas que ça se défasse, eh bien, on en fait une autre boucle. Voilà. Et là, maintenant, on va arrêter. Ça nous fait comme un nœud. Le premier capiton est installé. Nous séparons les ficelles. Voilà. Là, c'est une des ficelles. On la noue. Ça sera pour le tissu. Ici, on recommence. On fait un simple nœud. Vous voyez ? Un simple nœud, bien serré. Et on fait strictement la même chose. Je tiens mon nœud entre le pouce et l'index. De droite, puisque je suis droitier, avec la main gauche, pouce index, je prends l'autre ficelle et je viens prendre ensemble les deux ficelles que je viens nouer par-dessous. Et vous voyez là, je garde le nœud contre la ficelle, tout ça pour que les nœuds viennent se serrer l'un contre l'autre. Voilà. Dans ce lasso, je glisse mon doigt, vous voyez, ça fonctionne. Et je vais glisser ma ficelle à l'intérieur. Vous voyez, c'est ma ficelle qui est là. Et ici, elle serre. Et là, avec mon doigt, j'aide le travail pour qu'il aille bien jusqu'au fond. J'ai fait une boucle, j'en fais une deuxième, je viens à l'intérieur et je ferme. Voilà. Bon, j'accélère le mouvement. Je vous l'ai montré. Et voilà, le secret du capitaine. Qu'est-ce que c'est simple? Mais qu'est-ce que c'est simple? Vous voyez, premier capitaine. Vous voyez les capitons qui commencent à se faire. Vous voyez ?
voyez, voilà. Il suffit de prendre la bonne ficelle tout le temps, pour se mélanger. Et alors, si on respecte la règle, savoir prendre la seconde qu'il faut pour le faire, ben ça marche tout seul, c'est simple. La preuve. Je sais le faire. On regardera ça après, ça c'est un peu mélangé.
Et en quelques minutes, tout est mis en place. Et voilà. Maintenant, il suffit juste de les arranger. Juste arranger le pli qu'il soit dans le bon ordre, vous voyez. Voilà. Et il ne reste plus qu'à le mettre en place. Et voilà. Alors là, nous sommes en train de faire la couture des plis du capitan avec de la toile blanche. Travail essentiel si on veut que le tissu se place parfaitement en place, que les plis du tissu soient réguliers. C'est la condition d'avoir une réussite du tissu capitonné parfaitement exécuté. Beaucoup d'applications dans la petite finition du travail blanc. Voyez, tout est bien tendu, bien préparé, petit travail de patience, mais si on veut un bon résultat, c'est la condition. Après, on peut aller plus vite, mais on termine avec beaucoup de frosse.
Vous voyez, vous le constatez, la minutie et la patience du travail qu'il faut avoir et la précision. C'est la condition d'une belle réussite. Vous voyez, je viens de changer. Je ne sais pas si la caméra a pu le montrer parce que c'est quand même très étroit. Et maintenant, il faut sortir l'aiguille alors que nous sommes au fond d'un creux. En évitant de casser l'aiguille, ça arrive. J'essaie de ne pas vous cacher, mais il faut quand même que j'arrive à faire ma couture. Sinon, je ne peux pas vous le montrer. Il faut que mes yeux voient. Que mes yeux, que mes doigts arrivent à fonctionner dans un espace très réduit. En creux, même si l'aiguille est petite, il faut quand même arriver à sortir au bon endroit. Quand je serai sorti du creux, ça sera beaucoup plus facile. Puis peut-être que c'est aussi des vieilles mères. Hein. On peut être plus tout à fait la souplesse. Voilà, je crois que je sors au bon endroit. Voilà, mais il n'y a pas de pli, il n'y a pas de fronce. Et là maintenant, je suis sorti du creux. Donc c'est déjà beaucoup plus facile. Je sors mon épingle. Vous voyez, le point est toujours très légèrement en arrière. Vous voyez, le fil est là. Et je pique juste derrière. Je mets mon doigt parce que pour sortir l'aiguille au bon endroit. Vous voyez, voilà. Nous n'avons pas de fronce, nous n'avons pas de petits plis. Ce qui fait que le tissu, quand il sera tendu, ne prendra pas des fausses marques. Vous voyez, voilà. Et maintenant, on va continuer le reste sans la caméra.